Allez, salut tout le monde, c'est Tazur Hyperacia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 56 de notre Let's Play 100% sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild, en mode normal. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on continue notre avancée sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild, dans lequel nous continuerons du coup l'exploration du lac. Voilà, nous continuerons l'exploration du lac. Et si nous n'avons pas terminé, nous ferons la tour. Et si nous n'avons pas terminé, nous commencerons l'exploration de la colline gauche à fond pour monter jusqu'à tout en haut pour le sanctuaire. Et puis on fera la colline de droite. Voilà, on fera les vice versa. Du coup, voilà. Voilà. Y a rien à redire, hein, voilà quoi. On va du coup continuer. Voilà, là on s'était arrêté. Mais du coup, nous avons tous à explorer. Mais tout ça, hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'avec un radeau, ça aurait été mieux. Ouais, non, mais non. Voilà. Alors, du coup. Ah, regardez ce qu'il y a ici. Un petit coffre. Oh putain, c'était pas prévu ça. Comme je l'ai balancé. Oh putain, heureusement que j'ai pas pété ça avec. Hein. Rubis violet, 50 rubis, sa lueur violacée illumine votre visage. Et ben alors la nuit. Elle fait quoi la nuit? Par contre c'est super beau. Hein. La lumière d'ici. Parce que je voulais utiliser. Dommage. Nous l'avons pas eu. Ça serait bien que j'explore pas à gauche pour le moment. À gauche, ça serait bien que je le réserve. Voilà, on verra s'il y a un coffre. Il n'y a pas de coffre. Pour quand j'irai à la tour. Oh non. Oui. Un œil, enfin. Enfin un œil. Ok, y a rien. Putain, y a rien du tout en fait. Hein. En fait, le truc c'est ultra grand ici. Mais le truc c'est vraiment très grand en fait. Donc du coup, pour explorer, c'est un peu galère. Hein. Encore au goût. Ok, 2, 3. Mon Dieu. Et merde. Et merde. Ah ouais. Je vais me noyer. Ouh, frame perfect. J'ai eu la frame perfect. Ah oui, du coup, il faudra explorer droite et gauche. D'accord. Yes! Non, dit fait, tu m'as trouvé une noix Korogu. Cette noix Korogu vous a donné. Enfin, cette petite noix vous a donné un Korogu. C'est un peu fort, mais le parc a trouvé beaucoup. Porterait bonheur. Alors, voyure. Nous allons continuer. Nous allons progresser. Oh putain, il y a des minerais de pas. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est chaud quand même. Putain, il y a de tout quoi. C'est chaud. Ah. Un petit lac avec un petit coffre, d'accord. Faut que j'arrête de parler comme Timo Inchek parce que ça va pas là. Alors que je regarde pas le youtubeur. Hein. C'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas son contenu. Son contenu ne m'a jamais intéressé et il m'intéressera jamais.
Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas parce que c'est un grand youtubeur et tout que quand je dis que je n'aime pas, voilà. Honnêtement, je pourrais vous citer sur YouJumper et Sifano que j'aime pas du tout. Voilà. Mais que j'aime, que ce soit pour la personne et pour le contenu. En mot brut, cette régime végétale faisait des aéroles qui brillent avec la caramélité et se portent en mesure au cerf d'endormement depuis la nuit des temps. Sifano, je vais vous dire pourquoi. Je regarde certains de leurs let's play, mais c'est juste parce que c'est des jeux que j'adore. Mais c'est juste que c'est la personnalité de la personne que je peux pas supporter. Voilà, Sifano, c'est quelque chose que je peux pas supporter. Furious Jumper aussi. Mais je regarde que c'est là qui bloque parce que c'est les seules vidéos divertissantes, entre guillemets, que j'arrive à regarder de lui. Sinon, le reste. Tour des monts géminés, oui! Du coup, oui, donc oui, voilà. C'est pas parce que. Voilà, en connaissant un peu la mentalité de la personne et tout, ça donne pas très envie de s'intéresser à la personne. Bon, chose qui est un peu logique en même temps, hein, vous me direz. Mais voilà, après. Après, moi, quand je fais un Let's Play Zelda, c'est pour pas. C'est pour ça que j'ai l'air très à l'aise, mais j'essaie de garder. C'est pour ça que je. Honnêtement, je préfère avoir quelqu'un de plus. Des abonnés un petit peu plus matures, un petit peu plus. Sifano a transformé sa communauté en une véritable enclave. Donc c'est pour ça que ça n'a pas très envie de rester. Parce qu'en plus, il accepte la situation. Enfin, il a fait ça, il a accepté la situation. Et des fois, même, il se plaint de ses abonnés qui ont une complètement immature. Ben, quand tu fais en sorte que tes abonnés sont immatures, ben, tu enfin. Tes abonnés gagnent, hein. C'est un peu logique. Enfin, que tes abonnés sont un peu cons, c'est un peu logique. Je dis pas que tous les abonnés de Sifano sont cons, loin de là, hein. Loin de là. Mais j'en dis que une grande majorité des abonnés de Sifano sont pas des gens appréciables ou qui ont un grand CV, si vous voulez. Ou des gens que l'on peut discuter sans que ça parle de caca, pipi ou du critique pas Minecraft parce que sinon je te défonce ta gueule par exemple mais voilà après voilà. Honnêtement hein, j'ai toujours préféré Frigiel dans la cop team hein. J'ai toujours préféré Frigiel parce que c'est la seule personne qui a osé dire ce qu'il avait à dire quand ça plaisait pas quand Sifano faisait un peu quand il faisait des conneries, il a osé dire, enfin, il osait quoi dire ce qu'il avait, que ce soit, enfin, sur un ton, il pouvait être méchant, enfin, pas méchant, mais il pouvait être très, très juste, très strict et très juste. Et donc voilà. Alexandre Calvez, j'ai bien aimé sur son aventure Minecraft parce qu'il crée des choses originales et tout. Mais je m'y suis jamais intéressé. Après, j'ai beaucoup regardé ses crash tests. Donc, c'est surtout les crash tests que je suis. Parce que je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est un petit peu dans l'univers un petit peu scientifique, si tu veux. Mais voilà quoi. Après, voilà. Les Oxandar, c'est très difficile. Parce qu'il y a des moments où je peux l'aimer, des moments où je peux pas l'aimer. Des moments où, par exemple, dans la Cité des Sables où je le trouvais un peu trop. Je vais dire le mot mais un petit peu trop susboule envers Sifano mais sinon le voilà après c'est des amis vous me direz mais honnêtement voilà il était toujours du côté de Sifano il y a juste allez un moment de la Cité des Sables où j'ai été d'accord c'est quand Sifano a commencé à insulter tout le monde et enfin et que en tout cas insulter Skillnaise et Sifano a réussi Léo Xander pardon a réussi à garder la vérité des choses et pas le fond de Sifano. Donc en gros il n'était pas d'accord avec Sifano. Et chose que c'est ce qui m'a permis de le mieux l'apprécier. Parce que il a un petit côté un peu foufou, mais voilà, après c'est tout. C'est comme toute la cop team. Examiné. Mais voilà, après chacun ses goûts. D'autres feront pareil pour moi et j'en suis. Ça me déplaît pas. Hein. Tout le monde sera au libre arbitre. Tablette Shaker reconnue, activation. Ou alors autour de la goutte. D'ailleurs, c'est pas pour. Et au cas où, certes, j'aime pas Sif. Comme je dis, je n'aime pas la personne. Mais je n'aime que son. Entre guillemets, contenu.
que pour ces Zelda, Mario et tout. Donc, en gros, maintenant, ça me fait plus rien. Acquisition des données locales, de la goutte. Par exemple, ça, ce qu'il avait lancé, c'était une idée de génie. Honnêtement, hein. Mais voilà, après, c'est pour le contenu et pas pour la personne que je l'aime. Après, ça dépend de tout le monde, hein. Et oui! Deuxième partie de la zone. La carte de la zone a été enregistrée. Une nouvelle fonction est également disponible. Détecteur Sheikah. Localiser les sanctuaires initiatiques. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé. Lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, vous pouvez vous poursuivre dans cette direction pour arriver au sanctuaire. Vous pouvez désormais utiliser le détecteur Sheikah. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur Y depuis le carte. Depuis la carte de la tablette Sheikah. Et aussi, c'est surtout quelqu'un qui surjoue beaucoup et qui ne l'avoue pas. Le détecteur Sheikah est opérationnel. Parce que, honnêtement, je vais vous dire, l'icône du détecteur est affichée à côté de la mini-carte. Lorsque vous avancez en direction d'un sanctuaire, l'icône clignote et le détecteur émet un signal sonore. Ouais, et donc du coup, oui, du coup, je vais vous dire, oui, du coup, ben, pour continuer sur Siphano et tout, je sais même plus ce que je disais avant, en fait. Je sais même plus ce que je disais avant, en fait. Je sais même plus ce que je disais avant. Putain, c'est grave quand même. J'ai Alzheimer, c'est un truc de ouf. Non, oui, c'est son côté, surtout. Ah oui, c'est aussi son côté un peu. Oh putain, faut pas que je sois là. Il va me repérer. Bon, écoutez, un peu de combat, ça fait pas de mal, un peu de temps en temps. Il faut avoir des cornes dans la vie. Mais oui, donc c'est un peu son côté, ouais, un peu gamin, un peu qu'il avoue pas, un peu qu'il surjoue des fois. Voilà, après, faut pas lui en vouloir. Hein. Moi, honnêtement, je connais tous les jeux que je vous présente, sauf Breath of the Wild. Je ne les connais pas à fond, sauf même Mario Odyssey. En général, je dis hein, dans l'épisode ce que je connais, hein, ce que je connais pas. Donc, dans Zelda, certes, je prends du temps parce que je dis c'est quoi ça, mais faut vous garder la surprise parce que j'allais pas tout vous spoil. C'est facile de dire bah, je fais ça, et puis après, vous allez voir à partir de ce moment. Non, je garde du suspense jusqu'au bout. Siphano, il en fait. Vraiment trop. Viande grillée, un demi-cœur, la cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératrices en vitale. Par exemple, Super Mario Galaxy ou même Super Mario Sunshine qu'il avait fait sur les chaînes Hack et qu'il a, mais qu'il a totalement blacké sur sa chaîne en prenant l'excuse de oui, les pièces bleues c'est trop long, je vais pas m'en occuper alors que les pièces bleues c'est ce qui fait le jeu sans pièces bleues. Le jeu, il y a pas. Enfin, il est bien, mais il n'est pas le plus officiel entre guillemets. Voilà, c'est ce qui a fait le jeu, quoi. Sans pièces bleues, par exemple. Bon, si à l'époque, si on n'aurait pas. Il y aurait eu un manque, en tout cas, dans les niveaux. Donc, voilà, après, Siphano aussi, il est un peu réputé pour quelqu'un de feignant et quelqu'un de flemmard et trop, même. Flemmard, trop feignant. Qui ne veut pas terminer CLP, ou en tout cas, les terminer dans un bon sens. Oh allez, si par exemple il a oublié un quart de cœur à un endroit, il est au boss final, il va dire bon, il a jamais fait ça, mais c'est vraiment un exemple et un bon exemple que je peux vous citer, c'est que il y a des moments où quand il disait il va faire son 100%, c'est que les quarts de cœur, les quêtes secondaires et tout. Non, on peut pas décliner ça à 100%. Un 100% du jeu, c'est tous les coffres, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu, que ça soit les mini-jeux, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est ça le 100%. Le vrai 100%. Le 100%, ce n'est pas. Par exemple, je prends l'exemple d'un jeu que je suis en train de faire actuellement, c'est Twilight Princess. Le 100% n'est pas que les quarts du cœur, n'est pas que les insectes, n'est pas que les pauvres. Les pauvres. Souls. Enfin, les âmes de spectre. Non, le jeu, c'est les coffres, les quarts de cœur, les cavernes d'Odalric qu'il faut refaire deux fois pour confirmer le 100%. Voilà, après. Faut se rendre à l'évidence que ce que c'est un 5%, quoi. Faut pas être non plus. Faut pas avoir un bac plus 5 pour comprendre ce que c'est un 5%, quoi. Et quand on a vraiment la flemme de le faire, on dit pas 5%, allez, on dit à la limite 99%, c'est beaucoup mieux record que se faire baiser à la fin, se dire, eh ben non. Exemple, dans Mario Galaxy 2, il nous a un peu pris quand même pour un con, quoi.
Parce que tu te dis, le gars, je suis sûr qu'il va. Enfin, il va péter un câble. Déjà, il pète un câble sur les trucs ultra faciles, mais il va péter un. Ça sent le boss, ça. Il va péter un câble sur les trucs et tout, mais non, en fait, finalement. Ça sent le boss, ça, non ? Ça sent le boss. On va sentir après. Merde. Après, c'est ce qui fait aussi le personnage. Il a voulu être comme ça, il a voulu s'imposer comme ça. Maintenant, faut pas qu'il pleure parce qu'il a des abonnés comme ça. Ou même, il réagit comme ça. Allez. Active-toi. C'est un plus tout nouveau que j'ai jamais combattu. Aîné, what the fuck? Mais putain, mais il y a des moments où il faudrait que j'apprenne. Allez, ah putain. D'accord, donc il y a des moments où je suis un peu con en fait. Il y a des moments où, oh putain, c'est fou de pas savoir lancer une bombe. Comment vous faites comme ça, bordel? Merde. C'est la merde, ce truc, à chaque fois. Hein. Allez. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il pouvait nous tomber dessus. J'avais oublié. J'avais totalement zappé. Il pouvait nous tomber dessus. Bon, ben, écoutez, on va recommencer. Hein. J'avais totalement... Ça m'était sorti de l'esprit. Ça m'était sorti de l'esprit. Je me suis dit, on va monter directement pour l'avoir. Non, non. Oh putain, ça m'était sorti de l'esprit, honnêtement. Bon, ben, on reprend. Mais voilà. Après, c'est mon avis. C'est pas le meilleur, et j'en suis persuadé. C'est pas le meilleur, mais voilà. Après, faut être votre propre avis. Hein. Si vous aimez, ben, c'est pas parce que vous aimez que je vous aime pas. Entre guillemets. Hein. Je réagis pas comme ça. C'est que bon, après, il m'a jamais fait de mal ni rien, Sylvano, parce que honnêtement, on dirait qu'il m'a fait du mal quand je lui dis ça, mais non, en fait, c'est juste que il y a certains moments où je n'aime pas son contenu et je. Et ça voilà. Faut pas avoir peur de le dire, parce que si, il y a la liberté d'expression qui joue quand même. Après, ma chaîne, on peut comprendre également. On peut pas la blâmer, hein. Par exemple, les réactions comme ça, par exemple, je peux comprendre, hein, j'accepte, hein, c'est quoi, moi c'est pas vous, mais c'est ma vie, entre guillemets, moi ma vie est déjà tracée, hein, moi j'ai que le LP, hein, moi, enfin, on dit j'ai que le LP, non, pas dans ma vie, hein, bien sûr, mais j'ai que le LP dans le sens où je m'en fous, quoi. Parce que dites-vous que ouais, ma vie est déjà tracée, donc je fais l'émulation, je suis payé pour un truc, ça va, voilà, que voulez-vous, ma vie elle est déjà tracée, quoi, donc le reste, mais j'en ai pas la race. Non, je vais plutôt aller à l'endroit où il y était parce que sinon je vais m'y perdre. Non, ici c'est un inox. Oh putain, non, c'est bon. Enfin, non, une inox, oui, non, mais je voulais dire c'est le tampon de l'inox, mais bon, c'est pas grave. Après, oui, bon, c'est pour ça. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas ma LP. Et moi, bon, je m'en fous, honnêtement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, mon but, c'est. Quand je fais des vidéos, c'est pour montrer un guide. Un guide que je veux. What the fuck? Il fait quoi, lui, là? Un guide que je veux quand même montrer à tous pour dire, voilà, que si vous êtes bloqué à un endroit, comment le passer, quoi. Mais c'est tout, hein. Moi je cherche pas à midi à 14h, hein. Le reste, j'en ai rien à foutre. Si vraiment vous voulez me lancer dans un projet, parce que j'ai les moyens, j'ai tout, j'ai les moyens, j'ai le
J'ai entre guillemets le talent, y a pas, c'est pas photo, j'ai le talent hein, à le faire, mais j'ai pas l'envie. Voilà. Par contre, là, honnêtement, c'est bon. Attendez. Ah oui, quand tu connais pas. Bah oui, putain, je m'en souviens même plus comment. Oh là là, ça peut me être chiant. Quand tu te souviens plus de la façon pour vous avez vu charger le... Oh là là. Quand on se souvient plus de ça, c'est compliqué quoi. Ah, c'est chiant. Ça peut être chiant par exemple. Oh non, il faut que je me retape le boss. Oh non, il faut que je me retape le boss. Oh putain. Bon bah y a pas le choix hein, on va se retaper le boss. J'ai pas, il fallait que j'enregistre avant quoi, j'ai été con. Allez, il pleut pas là. Lui c'est tout seul, c'est con. Allez. Là, c'est une vanne ou c'est une vanne? Regardez, regardez, je peux rien faire. C'est aussi ici. Ah bah oui. Voilà, pile au moment où je monte sur lui, je peux rien. C'est une vanne. Il pleut pas. Il me dit qu'il pleut alors qu'il pleut pas. C'est une vanne. Oh, regardez. Il pleut alors qu'il me dit qu'il pleut pas en bas à droite. Mort de rire. Oh là, c'est n'importe quoi. Il me dit qu'il pleut alors qu'il pleut pas. D'accord. Oh là 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 là, ça c'est mort de rire ça. Eh eh. Et cette fois-ci, on va l'enregistrer parce qu'honnêtement, là, casse-couille de le refaire à chaque fois. Voilà. on va l'enregistrer parce que sinon, ça va être chiant de le refaire, de le refaire, de le refaire. Je vais juste affronter le gars. Ah oui, d'accord, c'est comme ça, d'accord. Je m'en souviens que maintenant, vous savez. Allez, viens ici, toi. Alors, il faut s'en souvenir. Hein. De toute façon, un coup, on est mort, là. Donc, bon, ça sert à rien de les prendre. Ouais, on les prend quand même, c'est juste pour la forme. Allez, dernier. Parfait. Oh là là, encore. Parfait. C'est une vanne? Parfait. Merci. Pas se foutre de ma gueule quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, nous avons tout récupéré. Bon les amis, on va pouvoir s'arrêter là, hein? Vous en dites quoi là? Honnêtement, hein? Oh putain, c'est quoi ici? Oh, c'est dans notre zone ça? Oh merde, je m'en souviens même plus. Là oui, c'est dans notre zone, mais oh là là. Ça c'est rien, c'est le chien qui vient juste d'être con, qui vient aussi me faire peur là, honnêtement, je m'y attendais pas. Oh ce con il m'a fait peur, bon bref. Ah là encore au goût. Ah ah ah, je me disais quand même. On va récupérer ça là. Non d'une seule, tu m'as trouvé. Encore au goût, cette petite dame vous a donné encore au goût, c'est une performance, elle paraît trouver beaucoup, porterait bonheur. À la revoyure, à la revoyure.
Et c'est là où le caillou me tombe pile maintenant sur la tête. Vous imaginez quand même? Alors moi, j'insulte des mères. J'insulte des darons là. Ah, oh, mais c'est quoi, tu sais, Guardian? Mais il y en a de partout! Honnêtement. Oh putain, c'est la merde. En fait, c'est la merde parce qu'il y a tellement de choses. Il y a deux gardes. Non, non, non! Tu fais quoi? Bon, ben écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans la prochaine... Il m'a pas capté quand même. Non, ça, dans la prochaine vidéo, nous continuerons d'explorer la montagne. Tout simplement cette montagne-là, dans laquelle nous ferons... Vous avez vu qu'il y a un sanctuaire qui nous attend en haut. Oui, il y a un sanctuaire qui nous attend en haut. Alors, on battra les deux gardiens qui sont là parce qu'ils sont un peu chiants. Aussi, donc on avancera, je sais pas à combien de collines, enfin de montagnes et tout dureront le truc. Je pense honnêtement, je pense monter comme ça au moins, monter jusqu'à, oh, je pense que je vais essayer d'arriver jusqu'au chantier. Comme ça, au chantier, je coupe, donc en gros, je vais couper. Comme ça, après, à partir de là, je fais juste ça. Donc en gros, en fait, je vais faire tout ça dans la prochaine vidéo, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à là, ici. Et ensuite, une fois arrivé ici, donc là, on s'en occupe pas pour le moment, une fois arrivé ici, on descendra, on fera, je pense, ça. Voilà, on fera cette petite partie, et on fera tout ça, jusqu'à arriver au sanctuaire qui se situera vers ici. Donc, comme ça, au moins, ça nous permettra de faire un petit parcours très sympathique. Je vous en remercie de m'avoir suivi pour l'épisode numéro 56 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. On continue, on progresse, c'est bien parce que du coup ça nous permet du coup de dire qu'on avance très vite pour la quête d'Impa, qui commence à durer un peu trop longtemps je trouve, honnêtement, hein. Il manque encore plein de choses, vous avez vu qu'il y a encore pas mal de choses à faire, il y a encore vraiment... On est loin, hein. Honnêtement, on est encore loin du compte. Il y a encore tout ça à explorer. Vous avez vu que c'est encore un petit peu bordélique. Enfin, un petit peu, beaucoup bordélique. Donc, ça se fera petit à petit, mais ça se fera. Je vous en remercie du coup de m'avoir suivi pour l'épisode 56. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azoric Perasia pour vous servir. Oh yes! Allez, bye tout le monde!